Bonsoir mes amis, ce soir encore une fois nous allons nous retrouver autour de la parole. Notre invité de toujours, le pasteur Lys, il est déjà dans les couloirs de nos studios. Nous émettons depuis Woodpecker, à Kempton Park, Johannesburg. Ce soir, le pasteur va intervenir sur la nature divine dans l'homme, toujours sous le grand thème, l'attribut du Créateur. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Lys à prendre la parole et je vous souhaite une très bonne écoute. Je vous remercie. Merci beaucoup, frère, bienvenue. Et merci à tous ceux qui sont en ligne. Mes chers amis, ce soir, nous allons encore continuer sur nos méditations. Nous allons parler sur notre sujet, la tribu du Créateur. Et le thème ce soir sera la nature divine, la déité, la divinité, mais cette fois-ci dans l'homme. Je prendrai dans la Bible, dans Genèse au chapitre 1, le verset 26 à 27, il est dit ceci. Création de l'homme et de la femme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, alléluia, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa homme et la femme. C'est de ce verset que nous allons tirer l'inspiration pour montrer que chaque fils et fille de Dieu a la divinité, la déité, la nature Dieu en lui. Qu'il soit un pécheur, il a été créé dans le dessein d'être un Dieu. L'homme fut créé pour être Dieu. C'est pour cela que son créateur l'a créé. Et je vous apprends que dans toutes les créatures visibles et invisibles dans l'univers, il n'y a que l'homme et Dieu qui ont cet attribut d'appeler les choses à l'existence. Aucun ange ne peut le faire, sinon l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même. Voyez-vous, aucun homme ne peut le faire, sinon l'homme qui a la divinité en lui. Nous voyons ici que tout réside dans ces versets. C'est pour cela, chers amis, suivez-moi très bien. Parce que si vous comprenez l'essence de votre qualité de Dieu, alors, à ce moment-là, vous aurez la réelle foi. Et cette foi, c'est celle dont la Bible parle, que tout est possible à celui qui possède ces sortes de foi. Je dis bien, tout est possible à Dieu, mais tout est aussi possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu parce que Dieu est la divinité. Et tout est possible à celui qui croit parce que dans l'homme, lorsque vous ajoutez la foi utilise la divinité qui se trouve dans l'homme. L'homme a perdu la foi. L'homme a perdu le caractère Dieu, mais l'homme n'a pas perdu la puissance Dieu en lui. Il est toujours une cabine d'une grande énergie qui appelait le monde à l'existence. La chose même qui appelait le monde en existence, un homme lorsqu'il croit au message du temps de la fin, il a la chose même qui appelait le monde à l'existence. Et cette chose s'appelle la divinité. La nature divine en nous, qu'est-ce que c'est? Nous voyons ici que cette nature n'est pas seulement une nature d'emprunt, mais c'est Dieu lui-même dans la continuité, parce qu'il voulait se manifester au travers de sa création. Et l'élément de la création dans lequel Dieu devait s'exprimer,
il a choisi l'homme. C'est pour ça qu'il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et donnons-leur la domination. Et il les créa à son image et selon sa ressemblance, homme et femme. S'il a créé l'homme, homme et femme, donc Dieu avait en lui la nature féminine et la nature masculine. Et ces choses, ça veut dire que dans l'être humain, qui qu'il soit, il a la divinité en lui. Il a la capacité créateur en lui. Mais cela dort à cause du péché. L'homme, lorsqu'il est tombé, il a perdu la foi. Il a perdu la chose qui éveille cette puissance qui se trouve en lui. Et c'est pas au jour de Malachie 4, lorsque Élie sera sur la terre pour rétablir toute chose, l'une des missions d'Élie, c'est rétablir la divinité dans l'homme. Ou rétablir la foi qui utilise cette divinité qui se trouve en vous. Mes amis, ce que je veux dire ici, que l'homme, lorsqu'il a été créé, il est double. Il est la partie spirituelle et la partie physique. Tout ce qui arrive, la guérison, le ceci, les miracles, le quoi que ce soit, c'est des choses qui demeurent dans l'homme. Et la religion ne fait qu'exploiter quelque chose qui est dans l'homme. La religion ne vous donne pas la puissance. Peu importe. Parce que la puissance même de Dieu se trouve dans l'homme. L'homme est l'essence, est même la manifestation de Dieu. Elle est l'élément par lequel Dieu s'exprime. Si l'homme est l'image de Dieu, il n'est pas l'image de Dieu dans son corps physique. Frère Branham dit ceci parce que c'est lui qui nous a révélé notre déité ou divinité. Il dit que Dieu est esprit, selon Jean 4, verset 24, Dieu dit que Dieu est esprit et que celui qui l'adore, l'adore en esprit. Donc l'image de Dieu ne peut pas être chair. L'image de Dieu, c'est votre esprit. Nous allons voir qu'est-ce que l'esprit. Et l'image de Dieu et sa ressemblance, nous le ressemblons. Et nous sommes comme lui dans notre esprit. C'est-à-dire que toutes les qualités de créer, de faire ceci, de faire cela, toutes les capacités, la richesse insondable, la sagesse infinie, l'omniscience, l'omnipotente, l'omniprésence de Dieu, tout cela sont des capacités qui sont dans l'homme en état latente à cause de la chute. Donc ce soir, ce que je vais vous faire comprendre, que si vous voulez être maître de toutes les lois de la nature, lorsque tu domineras sur tous les éléments qui fait la nature, qui fait le domaine de son règne, ce qu'on appelle le règne du Fils de Dieu, dont Daniel a vu, dont Malachie 4 a ramené ça sous forme de révélation. Et si vous voulez être participant de cette nature, voyez-vous, il faudrait que vous saisissez que la divinité est en vous. Mais elle est paralysée. Paralysé par quoi? Paralysé par le veil de l'ego. L'homme, je vous apprends que l'homme n'a jamais perdu la puissance. L'homme a perdu le caractère divin. La puissance est toujours dans l'homme. C'est pour cela, lorsqu'un démon le possède, il devient puissant. Parce qu'un esprit tel que le Saint-Esprit ou tel que Satan ne peut se manifester qu'au travers de l'homme. Parce que l'homme est le canal de la manifestation de cette grande énergie infinie qui est le Saint-Esprit. Alors pour cela, mes amis, premièrement, vous devez croire que là où vous êtes,
dans votre état déchu, dans votre état faible, de tout ce que vous êtes Dieu. C'est-à-dire que la puissance, la domination, et tout est en vous. Dieu, lorsqu'il lui donne, il ne se répand pas de ses dons. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais ça y est en vous. Mais l'homme est en état déchu. C'est pour cela que Christ, en entrant dans le monde, est venu donner sa vie en sacrifice dans l'ordre de ramener l'homme d'être encore en liaison avec Dieu, c'est-à-dire la divinité qui est la part de l'homme. Voyez-vous? Et manquer de manifester le divin qui est en toi, c'est ça le vrai péché. C'est-à-dire, si Dieu est créateur, tu es créateur. Si Dieu est tout-puissant, tu es tout-puissant. Si Dieu est sauveur, tu es sauveur. Si Dieu est pourvoyeur, tu es pourvoyeur. S'il est prospère, tu es prospère. S'il est riche, tu es riche. S'il est jaloux, tu l'es. S'il est ceci. Donc, tous les attributs de Jéhovah sont dans l'homme. Voyez-vous, si en nous, on a le désir d'adorer, c'est-à-dire dans Dieu aussi, il y a le désir d'adorer. Alors, maintenant que nous comprenons que nous sommes tout Dieu, sinon ce verset ne sera pas vrai. Et tout ce qui est en Dieu comme potentiel d'action se trouve dans l'homme. Mais ici, l'action est arrêtée, paralysée par l'ego. Alors, le problème sera, si nous sommes Dieu, qui doit nous adorer? Non, ce n'est pas notre semblable qui doit nous adorer. C'est Dieu qui doit nous adorer. Nous sommes l'idole dans laquelle Dieu se prosterne. C'est-à-dire, il donne tout au point de mourir. C'est ce qu'il a fait. Et lui, il est notre idole. Donc, la raison pour laquelle nous existons pour lui. Parce que nous verrons cela dans le principe de la création. Et cette divinité en nous, c'est pour ça qu'il dit, si tu dis et que tu ne doutes pas en ton cœur, voyez-vous, ce que tu as dit arrivera. Cela est en dehors de la rédemption. Cela prouve que nous sommes tous ceux qui ont Dieu. Donc vous devez faire très attention à ce que vous prononcez. Vous devez très faire attention à ce que vous pensez. Vous devez faire très attention à vos actes, à vos habitudes. Parce que vous êtes un créateur. Et étant un créateur, mes frères, vous devez connaître que vous ne saviez pas. Lorsque Dieu, dans sa divinité, il a créé, il a d'abord pensé. Et ensuite, il a exprimé par des paroles, en manifestant par des gestes. Alors, cette capacité est en vous. Le diable vient utiliser la même chose. Et aujourd'hui, on a créé un monde de misère, de péché. Alors que Dieu nous a mis sur la terre afin d'être des esprits supérieurs, des maîtres ici, pour le bien-être de notre environnement. Notre part d'héritage, c'est la divinité en nous. Donc j'aimerais vous dire que vous devez d'abord croire que vous êtes Dieu. Où vous devez d'abord accepter que Dieu est en vous. Et si vous croyez cela, ça sera une bonne chose. Si vous acceptez cette nature divine, c'est très important, mes amis. C'est très important de croire que vous êtes Dieu. Pourquoi? Parce que si vous ne croyez pas que vous êtes Dieu, la nature et ses lois ne vont pas vous obéir. Alors, mais si vous croyez que vous êtes Dieu, là où vous êtes, c'est vous qui êtes ignorant. Parce qu'en étant d'une femme, par le péché, vous aviez oublié que vous avez commencé à exister avant d'être dans la chair. Jésus dit à ses disciples que je vous ai connus dès avant la fondation du monde. Donc le temps que nous vivons ici n'est qu'un film qu'on est en train de projeter, qu'on a déjà joué.
Nous verrons ça lorsque nous verrons la prédestination. Mes amis, notre seul salut, parce qu'il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Donc les siens, donc ceux de la parole, ne l'ont pas reçue. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit ou la capacité de devenir fils de Dieu. Or, vous pouvez devenir le fils de mon Père, c'est que vous aviez le sang de mon Père. Voyez-vous? Alors, c'est au travers de cette divinité qui est en nous que nous pouvons être fils de Dieu. Jésus a dit, pourquoi me blâmez-vous lorsque je dis que je suis fils de Dieu? Alors, si la parole appelait ceux à qui recevait la parole telle que les prophètes, Dieu, combien de fois moi qui dis que je suis fils de Dieu? Mais le fils de Dieu, c'est Dieu s'exprimant au travers d'une chair humaine. C'est Christ dans l'être humain. C'est la raison pour laquelle Paul, lorsqu'il persécutait les chrétiens, avant que lui-même soit apôtre de ces chrétiens, il rencontra la colonne de feu, la lumière, qui lui dit que je suis Jésus. Il dit, qui es-tu, Jéhovah? Parce qu'il savait que la colonne de feu était toujours le Dieu d'Israël, Jéhovah. Et Jéhovah, cette fois-ci, lui révéla son nouveau nom. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, comment j'étais persécuté? Alors que Paul n'a rien fait contre Jésus. Mais il a fait à Jésus parce que la divinité était dans l'Église. L'Église était l'expression de la divinité. C'est pour cela que Jésus dit ceci dans Matthieu. Il dit, en ce jour-là, beaucoup viendront. Seigneur, n'avons-nous pas guéri? N'avons-nous pas fait ceci? Il dira, Ariel de moi, je ne vous ai jamais connu. Comment il ne les a pas connus alors que cela confesse qu'ils ont fait ça en son nom? Il dit, parce que lorsque j'étais malade, vous ne m'aviez pas visité. Lorsque j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné la nourriture. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Ils l'ont demandé, Seigneur, quand est-ce? Tu n'as pas vécu à notre époque? Quand est-ce que tu étais malade? Il dit que toutes les fois, l'un de ses petits, lorsqu'il était malade et que vous avez refusé de lui aider, c'est à moi que vous aviez fait. Parce que dans l'un de ses petits, il y avait ce qu'on appelle la divinité. Et dit aux autres, rentrez, parce que lorsque j'étais malade, vous m'aviez habillé et vous m'aviez aidé, vous avez fait ceci. Ils ont dit, Seigneur, mais nous ne t'avons pas fait. Même ceux qui avaient fait du bien à la divinité ne savaient pas. Cela prouve qu'il y a beaucoup dont l'Église ne discerne pas la divinité dans l'être humain. Il dit non, toutes les fois que vous avez visité l'un qui était hospitalisé, qui avait fait ceci et tout, c'est à moi que vous l'aviez fait. Voyez-vous, il avait fait à qui?